un Roland de la mer morte résout un mystère du Nouveau Testament. Le cas de Deutéronome 32, 43 et d'Hébreux 1, 6. La grotte 4 de Wadi Qumran fut découverte en août 1952 et fouillée du 22 au 29 septembre par Roland Deveau, Yosef Milik et Gérald Harding. Parmi les dizaines de manuscrits et de fragments trouvés dans la grotte 4, il y avait ces textes du livre de Deutéronome, chapitre 32, copiés quelque temps avant l'ère commune. Le Deutéronome, chapitre 32, verset 43, fut retrouvé intact, composé d'une dizaine de lignes, écrit en hébreu carré ancien. Traduit, il se lit en français. Réjouissez-vous, cieux, avec lui, et inclinez-vous devant lui tous les dieux, car il vengera le sang de ses fils, et il fera vengeance à ses adversaires, et ceux qui le détestent, il récompensera, et il purifiera le pays de son peuple. La Bible hébraïque, ou la Torah, qui contient le livre du Deutéronome, a été normalisé par des scribes appelés Massorites à la fin du Xe siècle de notre ère. La plupart des versions françaises du livre de Deutéronome furent traduites du texte hébreu massoritique standard dans lequel 32-43 se compose de quatre lignes qui se lisent comme suit. Réjouissez-vous, nations, avec son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, et il se venge de ses adversaires, et il purifie son pays et son peuple. La Torah hébraïque a été traduite en grec après 200 avant notre ère, probablement dans la communauté juive d'Alexandrie, en Égypte. En grec, Deutéronome 32-43 se compose de 8 lignes qui se lisent comme suit. Réjouissez-vous, cieux, avec lui, et que tous les fils de Dieu l'adorent. Réjouissez-vous, nations, avec son peuple, et que tous les anges de Dieu se fortifient en lui, car il vengera le sang de ses fils, et il rendra justice à ses ennemis, et récompensera ceux qui le haïssent, et le Seigneur purgera le pays de son peuple. Pendant des siècles, les lecteurs de la Bible se sont interrogés sur le verset du Nouveau Testament dans Hébreux 1:6 qui semble mal cité Deutéronome 32-43. Ceci se lit « Que tous les anges de Dieu l'adorent ». En comparant le manuscrit de la mer morte avec la version grecque de Deutéronome 32-43, nous comprenons que Hébreux 1:6 cite cette version grecque qui avait traduit l'expression hébraïque « tout Dieu » par « ange de Dieu ». Les traducteurs grecs ont dû comprendre l'expression « tout Dieu » qui se retrouve à plusieurs reprises dans la Bible hébraïque comme signifiant « être spirituel » et donc l'ont rendu « ange ». Ainsi, les trois versions existantes de Deutéronome 32-43 comprennent, par ordre d'âge, le grec des Septante ayant 8 lignes, l'hébreu de Qumran ayant 6 lignes et l'hébreu massorétique ayant 4 lignes. Les érudits ont restauré 2 lignes conjecturées pour le texte hébreu à partir duquel la Septante aurait été traduite, et qui est probablement à l'origine de la citation dans Hébreux 1:6. Ces mêmes savants commentent que certains copyistes de la Bible ont cherché à reformuler certains textes pour éviter de mentionner les faux dieux ou qu'ils voulaient que le chapitre 32 de Deutéronome se compose exactement de 70 lignes.